Tu as eu une relation tumultueuse avec Adixia et Cassandra. Ouais. Si tu devais en garder qu'une seule, laquelle serait la favorite? C'est dur, je pense que j'ai plus aimé. T'as un peu genre le goût du qui gratouille. C'est Cassandra quoi. Elle est un peu border sur les bords. Je lui ai écrit, Julien. Il m'a jamais répondu, il m'a bloqué. Il aurait dû rester en train de faire sa danse à Marseille, là, sur son vieux port. Entrez. Bonjour madame. Bonjour. Je suis très malade. Oh. Faites-moi un câlin. Comment ça va? Ça va et toi? C'est mon petit lapin qui a bien grandi. Oui. Non, c'est un lièvre maintenant. Ah oui. C'est un lièvre. Petit lapin blanc. Lapin blanc, c'est fini. Non, là, on c'est est un lapin de compète. On est un lapin de compète. Non, un lièvre. Laisse un tomber. Lièvre, c'est bien. Je suis plus le lapin. C'est Comment fini ça là. Va ça va. Mieux. Alors mieux. Ça va mieux. Mieux. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui allait pas? Bah, j'ai eu en fin d'année 2023 quand même 2 mois assez compliqués. Quoi. Une année de merde, 2023. Non, pas non, en vrai, fin d'année de merde. Non, en vrai, moitié-moitié. D'accord. En vrai. Ouais, parce qu'en vrai, c'est dans mon mal, j'ai pu quand même changer sur plein de choses. Donc en fait, c'est un mal pour un bien. Donc finalement, avec le recul, moitié-moitié. Moi, je te suis de loin et je trouve que t'as vachement évolué. Un peu, ouais. Non, c'est vraiment, vrai. Non, je te dis vrai. La vérité. Non, sur c'est vrai plein que de choses, je trouve que depuis 6 mois, ouais. Évolué. Ouais, mais tout le monde me dit. Et non, j'ai grandi, t'es. Ouais, mais c'est, bah, j'ai fait pas mal de trucs aussi. J'ai fait. Pourquoi je dis aussi moitié-moitié? Parce que j'ai quand même fait le monastère en 2023 et ça m'a vraiment changé, tu vois, sur plein de choses dans et ma je vie. Je crois que cette émission a permis à beaucoup de personnes de te découvrir comme nous on te connaissait. Ouais, déjà oui. Parce que pour une fois, je pouvais être en télé, tu vois, sans devoir draguer, sans, tu vois, faire des problèmes ou des clashs. J'ai pu vraiment me montrer comme je suis dans la vie, comme je me connaisse, quand je me connais vraiment, tu vois. Donc ça, les gens, ça leur a plu. Et même moi, ça m'a permis de, tu vois, de vivre quelque chose de fort. Intérieurement, ça m'a quand même changé, tu vois, j'ai trouvé la foi et tout. Bon, ça paraît drôle quand je dis ça, mais non, c'est bien. Je suis pas un enfant de cœur, je suis pas prête, tu vois. Mais non, mais le docteur est très croyant. Non, mais donc, tu sais, vois, donc, bah voilà, bah moi, j'ai trouvé la foi, donc bon, je suis pas le plus pieux du monde, tu vois, mais dans les moments un peu durs, tu vois, dans ma vie, je me retourne vers Dieu. C'est et, bien, tu pries. Et je me dis, ouais, je prie, tu vois, je prie. Et quand j'ai des problèmes dans ma vie ou des épreuves, je me dis que c'est Dieu qui met ça sur mon chemin et qu'il faut que je me batte, tu vois, pour surmonter ça. Très belle, voilà. Très belle mentalité. Voilà. Waouh. Ouais. Ah ouais. Ah purée, là, je suis épatée. Ouais. On va remplir la petite fiche. Ouais. Alors, prénom donc, Simon. Simon. Nom. Castaldi. Castaldi. Ouais. Ton âge. 23 ans. Putain. Ouais, 24 bientôt là, dans un mois. T'es quel signe? Alors, grand débat, je suis né le 20 avril. Ok. Donc je suis en fait, un coup me dit que je suis bélier. Enfin, j'ai cru être bélier jusqu'à mes 21 ans. Ouais. Et après, on m'a dit finalement, non, mais t'es taureau comme t'es né tard. Donc en fait, je suis bélier, mais je me trouve plus. Pour moi, je suis bélier parce que dans ma tête, je suis bélier depuis 20 ans. D'accord. Donc je suis bélier à ce qu'on balance. Ok. Voilà, moi, on garde sur ça. Ok, on garde sur ça. Mais bélier taureau, tu vois, peut-être j'ai des petits. Bélier taureau. Ouais. Salaire, c'est pour savoir si t'as la mutuelle. J'adore cette question, il y a salaire par mois. Bug à chaque fois. Je te jure, à chaque non, fois. Hein. Franchement, moi je parle d'argent très facilement. Moi je suis un peu comme mon père sur ça. Bah tu sais, nous on a une vie où on n'a pas de salaire fixe, hein, tu connais un peu. Mm-hmm. Mais je peux te donner une tranche. Franchement, ouais, ça peut. Au minimum du minimum, je fais. Bah, par rapport à mes frais de vie et tout, je touche pas moins de 6 000 euros par mois. Au minimum, hein. Mm-hmm. Et après, bon, après j'ai un peu j'ai des business et tout. Bon, après, donc ça sont des boîtes, donc ça compte pas. Je sais pas, ça peut monter dans mes gros mois, je sais pas, 25 000 euros de chiffre, 30 000 euros de chiffre parfois. Le chiffre d'affaires. Hein. Bien sûr. Voilà. Opération de chirurgie esthétique. Non, rien. Es-tu sous traitement? Non. Est-ce que tu fumes? Oui. Combien? Un paquet par jour. J'avais arrêté 3 semaines là. Moi non. J'avais arrêté 3 semaines, mais j'ai craqué. C'est très dur. Est-ce que tu bois? Ouais. En soirée? Je peux prendre même du vin avec ma mère et tout le ouais. soir, même genre à midi avec ma grand-mère. Je déjeune beaucoup avec ma grand-mère, donc on boit du vin. Je bois pas mal. Ouais. C'est vrai, t'es très proche de tes grands-parents. Ouais. Je vois souvent sur tes stories. En fait, ils habitent à 300 mètres de chez moi. En fait, donc en fait, je marche et comme bah, j'ai la chance de pouvoir, enfin de pas avoir de cours ou quoi, je suis toujours là. Donc elle me dit genre à midi, ah, non, très belle, il va bien manger, tu vois. C'est un super bel exemple parce qu'il y a beaucoup de on va dire de petits enfants ou quoi qui zappent des fois les grands-parents. Non, mais en fait, le fait de le montrer, je trouve ça très. Bah, c'est grâce à. Pour moi, déjà, je pense que ça vient déjà d'eux parce que j'ai les parents de mon père qui sont pas du tout présents, mm-hmm. que j'aime bien, tu vois, mais que j'ai pas de lien vraiment, on s'appelle jamais. Pas proche. Pas du tout. On a même pas d'appel, tu vois, même pour pas de bonne année, tu vois, limite. Ah, ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Mais bon, mais j'ai vraiment tout l'inverse avec les parents de ma mère, tu vois, qui nous ont élevés vraiment. Ma mère est fille unique, donc très présent. Voilà, depuis que je suis né, ils venaient chercher genre en cours, ils nous faisaient à manger tous les midis, tu vois. Donc c'est eux qui nous ont quitté très là, donc du coup, c'est je leur rends. Pilier un petit peu. Pilier. Ah ouais, pilier de fou. Donc du coup, bah, je leur rends maintenant que je suis grand. Voilà, je me force à quand même les voir, à les appeler tout le temps. Je vais à ma grand-mère tous les jours, le matin 10h, elle me dit ça va chérie, tu vas bien, je l'appelle.
une heure, tu viens manger, ouais, j'arrive. Voilà. C'est tes grands-parents qui sont italiens? Mon grand-père est italien, ma grand-mère est française, mais mon grand-père, c'est le vrai de vrai. D'accord. La fois, Sicile, il parle comme ça, et il dit Simon, mais là, bon, faut que tu calmes mes dépenses, là, parce que. Mangeais pas ça, voilà. Donc, ok, voilà. C'est chantant, quoi. Voilà, exactement. Date du dernier test MST. Il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était septembre 2023. Ok. Ouais. Bah tu en as déjà eu d'ailleurs. Jamais d'MST, jamais. J'ai fait deux fois, j'ai fait des mycoses, mais c'est pas vraiment une IST. Ouais, tu vois, ça arrive. Enfin, t'as un peu genre le bout du qui gratouille et qui est un peu rouge, quoi. Donc c'est pas ouf, mais rien de très grave. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà, bon. Bref. Le zizi qui gratte. Voilà. Nombre de partenaires sexuels. Actuel? Ouais, actuellement. Ah. Actuellement, genre comme. Bah oui. Ou dans mais ma toi, vie. Tu ken. Ah. Oh putain, je sais pas. Je savais que cette question allait bugger. Non, franchement. Non, parce que attends, moi j'ai. Attends, mais actuellement ou dans ma vie entière que j'ai eu, je comprends pas. Bah, vas-y, viens, on fait les deux, on rigole. Ok, vas-y. Franchement, je dois être à. Par semaine. Ah, par semaine. Bah, je sais pas, quand vraiment je suis célibataire et tout. Ouais. Bah, je sors mercredi ou dimanche. Mercredi, dimanche, samedi, donc 4 par semaine. Attends, à chaque fois. Non, attends. Ah si. Ah moi. Attends. Après, pas tout le temps, je suis pas non plus Brad Pitt, mais normalement, quand je sors, si je sors, c'est, je sais que. Enfin, si je vais en boîte, je sais que je rentre pas seul. Attends, non. Même si la fille, tu la connais pas d'avant. Ah bah oui. Oh, je suis vieille. Bah ouais. Ah ouais. Ah, un ouais. Peu moins maintenant, mais. Genre, c'est easy, quoi. Bah, c'est. Easy. C'est easy. Enfin, c'est pas easy, mais. Bah, ouais, t'étais à Paris, t'es en boîte, tu connais un peu de monde, t'as une table, ça va vite. Hein. C'est rapide, hein. Putain, mais ah les ouais, meufs, hein. Vous pouvez pas... Ouais. Ah, moi, je l'avais à l'école, hein. Ouais, bah moi, ouais. Tu galères 3 semaines. Après, bon, non, mais ça m'arrive de prendre des râteaux aussi, hein, je crois pas. Enfin, ou des meufs qui vont au bout du truc et après disent « Ah, non, pas le premier soir. » Ça m'arrive. Du coup, bah, je dis « Ok, bah, pas grave. » Bah, ni demain. Moi, je vais me rendre. Non, mais... Non, mais... Ok. Non, mais c'est chaud, quoi. Ok. Ouais. Non, mais et dans ma vie entière, je sais pas, je vais être à... Après, j'étais beaucoup en couple, hein. Ouais. Je vais être à au moins 100. Je vais être à au moins 100. Je vais être à au moins 100. En fait, je compte pas. Moi, j'ai pas de liste, quand même. Il y a plein de mecs qui font des listes en body note. Moi, je fais pas ça. Ouais, parce que, bon, approximativement. Moi, je m'analyse. Moi, tu vois, j'ai une relation assez ouverte, tu vois. Genre, moi, je juge pas, mon ex, il y a 100 mecs ou 10 mecs. Ouais, moi, ouais. Ça change pas, tu vois. Donc, moi, je... Voilà, je trouve que... Chacun fait ce qu'il veut avec chacun fait ce qu'il veut avec son... Donc, je note pas les gens ou quoi, mais je vais être au moins 100, 150. Ok. Ouais. Tu connais un petit peu le concept? En fait, je t'explique. En gros, ça t'as joué quand t'étais petit. Ouais, Docteur Maboule, j'adore. Voilà. En gros, là, c'est Docteur Lolo. Tu vas essayer de m'enlever tous les trucs que j'ai dans mon corps, ouais. Sans faire clignoter mon nez refait. Okay. Si tu y arrives, tu as le droit à choisir tes questions. Okay. C'est des questions un peu sympathiques. Ouais. Et si tu te loupes, j'ai des questions un peu ils plus. Ils sont mis vraiment pour vraiment bien que je galère. Hein. Ouais, en fait, on voit que c'est vraiment pour que je perde, quoi. En fait, ouais, finalement. C'est ça. C'est ok, j'ai compris. Parce que normalement, tu vois, ça, il doit être vraiment droit et en fait, il est à droite, donc je sais que là, j'ai perdu, oui, non, en fait. Oui, non, je suis non. Assez malin, tu vois, oui, j'ai oui. La vie dans ma tête, hein. Oui, oui. Ok. Vas-y. Donc, donc je commence. Ok, bah, c'est parti. Commence à te louper, comme ça, je peux commencer à t'assaisonner. Ah, du coup, j'ai perdu, merde. Ah, bah oui, merde. Ah, okay. Tu as eu une relation tumultueuse avec Adixia. Et Cassandra, ouais. Si tu devais en garder qu'une seule, laquelle serait la favorite? Pour la vie, genre garder pour la vie? Ouais, si je te disais, vas-y, garde-en une seule pour la vie. Et quel a été le pire moment que tu as vécu dans ces deux relations? En fait, c'est dur. C'est dur. Parce que je pense qu'aucune des deux est faite pour moi. D'accord. Honnêtement. Maintenant, je pense que j'ai plus aimé Adixia par rapport à notre relation qu'on a vécue. Donc j'aurais tendance à dire Adi pour la vie. Mm-hmm. Mais je pense qu'on est vraiment pas fait. Enfin, peut-être qu'avec le recul, peut-être Cassandra, peut-être plus pour la vie finalement. Mais en vrai, c'est pas possible parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, en si peu de temps, il y a quand même trop de drames, hein, pas se mentir. J'ai vécu des drames, des trucs, des histoires de ouf que. Alors moi, je ne suis pas du tout. Des histoires de malade. Je connais la relation avec Adixia, mais je ne connais pas du tout la relation avec Cassandra que je ne connais pas du tout non plus. Donc je ne peux pas donner mon avis. Puis j'aime pas trop juger sur ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, surtout que toi, je te connais personnellement et Adi aussi. Mais oui, forcément, oui. Bon, Adixia, ça a été quand même long dans ta vie. Ouais, ça a été très long et ça a été très fort. Et je l'ai beaucoup aimé et elle m'a beaucoup apporté. Elle m'a beaucoup fait grandir, tu vois. Donc,
Donc j'aurais toujours, et c'est ce que je dis à même mes copines genre actuelles, tu vois, que je rencontre. Quand t'as eu une meuf là récemment, ouais, sur les réseaux, j'ai vu. Ouais, une petite meuf, ouais. Et bon. Bah non, ça marche pas, j'arrive pas. Je suis trop jeune encore, je pense. Ou je pense que j'ai pas le crush, tu vois. Je pense que je tente de retrouver un peu la crush que j'avais genre avec Adi, tu vois. Mais je pense que je retrouve. Chaque relation pas. Est différente. C'est pour ça que j'ai un peu de mal pour l'instant. Donc ouais. Ouais, non, c'est assez compliqué, mais Adi, voilà, ça restera Adi. Et c'est ce que je dis genre à tout le monde. J'ai dit, Adi, on ne pourra plus jamais être ensemble, je pense. Enfin, je suis sûr même. Et, mais, j'aime bien le « je pense, je suis sûr ». Non, bah, parce que, bah, jamais dire jamais, hein, ça, c'est la oui, vie. Bien sûr. Mais actuellement, voilà, moi, je suis passé à autre chose totalement. Elle a l'air d'être très heureuse et je souhaite d'être vraiment très heureuse. On l'embrasse. Je l'embrasse vraiment, mais ça, Adi restera Adi pour moi. Et je lui ai dit, et je lui ai dit à tout le monde, et j'ai aucune honte à le dire, ça veut pas dire que je l'aime encore, ça veut dire que moi, je pense qu'il faut pas non plus avoir, et je trouve que toi, tu montres ça très bien avec Nico, on peut pas, tu vois, cracher dans la soupe, ou alors renier ce que, genre, on a vécu, même si on a vécu des moments durs, etc., comme t'as pu vivre avec Nico. Moi, j'ai vécu des moments durs avec Adi, mais des très bons moments, et on s'est beaucoup aimé malgré tout ce qu'on peut dire, on s'est beaucoup aimé. Ah oui, non, donc, mais ça, par contre, c'est indéniable. Donc, hein, mais non, mais bien sûr, non, mais on s'est beaucoup aimé, elle m'a beaucoup aimé, elle a supporté beaucoup de choses que j'ai pu faire. Donc voilà, donc c'est pour ça que Adi, ça restera Adi pour moi, toute ma vie. Voilà. Bon, je savais, le docteur connaissait la réponse. Non, mais je vais être honnête, hein, je vais pas faire semblant. Non, hein. Bah, bien sûr, et mais... ça veut pas dire que, genre, tu vois, je pense encore à elle, vraiment, je vois passer sur TikTok avec son mec et tout, ils ont l'air d'être très heureux, et franchement, si elle est heureuse, tant mieux. Bah, c'est bien. Maintenant, après, c'est des réseaux et la vie, c'est souvent pas la même chose, mais j'espère que c'est vraiment comme ça. Moi, je les vois pas, je les connais pas, tu vois. Ouais. Mais voilà. Très belle façon de penser. Voilà, et Cass, c'est Cassandra, quoi. Elle est un peu border sur les bords, mais c'est pas une fille méchante. T'as encore un lien avec elle ? Non, pas du tout. On se reparle parfois, tu sais, je parle un peu, mais sans... On s'est pas revu depuis le drame, tu vois. Vas-y, je t'en prie. Putain. Attends, je vais la voir. Je vais la voir. Waouh, bravo. Allez, je choisis. Alors, tu choisis question sur relation amicale, relation amoureuse, santé mentale, famille, physique, santé physique ou professionnelle. Pro. Mm-hmm. Ah, c'est mon pro là. Je suis très contente de te poser cette question parce que j'ai vu que tu lançais un nouveau projet. Ouais. Et franchement, déjà, je voulais te dire que je suis mais grave fan en fait du concept. Je trouve que présentateur, ça te va, mais super bien. Merci. Et franchement, je suis assez fière de toi parce que t'es le seul à avoir fait un concept comme ça pour le moment. Ouais. Quand tu vas nous en dire plus, moi je le sais en interne. Ouais. Mais explique un petit peu quel est ton projet. Alors, je t'explique de quoi c'est venu. Donc, je fais du coup le monastère l'an passé. Mm-hmm. Et la productrice qui produit le monastère a littéralement un coup de foudre professionnel pour moi. D'accord. Genre amical. Enfin, c'est une productrice, hein, tu vois. Ouais, c'est pas bien sûr. Bizarre, ouais. On est d'accord. Et elle me dit, écoute Simon, je pense que t'es fait pour autre chose. Alors la télé-réalité c'est bien et tout, mais je pense que tu peux faire autre chose. Voilà, et je dis, mais bon, c'est moi, je suis pas trop contre moi de base, donc je dis, mais non, mais pourquoi et tout. Mais je dis, fais-moi confiance, on va faire un truc. Donc le temps passe et en septembre, on se voit. Et là, on se pose, on commence à écrire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, écoute, qu'est-ce que tu aimerais faire. Donc là, je commence à me libérer, tu vois. Donc j'écris cette émission où je veux faire un talk show avec des gens que j'invite, pas les mêmes personnes. Je veux pas trop qu'on pense que je fais un peu du copier-coller de Cyril Hanouna, tu vois. Mm-hmm. Mais je voulais faire un truc où j'étais sur un plateau, où je traitais des sujets que je veux, où j'étais très libre avec les gens que j'ai envie d'avoir sur mon plateau, dans un débat sain. Je voulais pas faire du bad buzz. En fait, je préfère faire moins de vues, mais faire un truc sain, quali, tu vois, que ma mère dise me dise bravo. Parce que ma mère, en fait, moi j'ai l'impression que ma mère et ma grand-mère, bon, ils m'aiment, tu vois, mais en réalité, ils aiment pas forcément, tu vois, ils aiment pas trop. Enfin, j'ai quand même l'image d'un mec qui trompe ses meufs, enfin, tu vois, c'est pas ouf pour une maman. Moi, j'ai pas été élevé comme ça de base, je suis pas comme ça, tu vois, c'est la télé qui m'a rendu comme ça aussi. Donc, je voulais qu'il soit fier de moi. Donc, j'ai écrit ce truc-là. C'est toi qui as écrit. On a co-écrit avec Marielle et j'ai trouvé le nom qui est quand même top. Si mon avis vous intéresse, quand même Simon, ouais, c'est moi, donc c'est Simon mon avis, machin. Non, franchement, bien trouvé. Donc on a bossé ça pendant 3-4 mois et donc, voilà, j'ai fait deux émissions. On verra comment ça prend. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas. Non, mais en tout cas, ça te va super bien. Mais en tout cas, moi je me trouve bien, je suis à l'aise. Ouais, ça se voit. Voilà, après, bon, certains disent. C'est un peu les traces de ton père. Voilà, quoi. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit sur Insta. J'ai dit, bon, bah, le problème, c'est que moi j'avais peur que trop, tu vois, qu'on me dise, tu fais comme ton père et truc.
Mon père, il m'a pas aidé. Mon père, je lui ai pas demandé de l'aide ou quoi. J'ai fait ça tout seul. Et ça, après, c'est tout à ton honneur parce que voilà. Souvent, on t'a catalogué comme genre en mode... Enfin, nous, dans la vie privée, on le sait. Mais pour les gens, genre, t'as toujours été le fils à papa, alors que pas du tout, t'es toujours démerdé tout seul. Ouais. Non, mais ça, donc c'est à ton honneur. Ça, je pense que les gens, ils le comprendront jamais. Enfin, les cons, on va dire, parce que ceux qui, tu vois, ceux qui me connaissent vraiment quand on parle machin, ils comprennent ma vie, ils me voient, tu vois. Non, c'est. Après, j'ai manqué de rien, attention. Non, j'ai pas manqué de la misère, tu vois. Donc, mais mon père, voilà, mon père, on sait tous les problèmes qu'il a, etc. Donc, il a pas pu, tu vois, m'aider parce qu'il l'aurait fait. Et s'il aurait pu le faire, il l'aurait fait, tu vois. Bien sûr. Des choses qu'il a pas pu faire parce que la vie a fait que. Et c'est pas pour autant que je suis malheureux. Je suis très heureux. Et même, je trouve que ça me rend encore plus fier de faire les choses seul. Donc voilà. Maintenant, soit ça coule dans mes veines et c'est comme ça. Et si je dois faire ça, bah c'est comme ça. Maintenant. J'ai aucune pression, tu vois. Moi, j'ai vraiment kiffé le faire. J'aime ça et j'ai quand même assez confiance. Donc voilà, donc on verra. Donc voilà, je suis très content. Bravo. Ça sort là aujourd'hui, mais bon, du coup, ça sera gentil quand ça sortira. Ouais, mais félicitations. C'est le jour J, voilà. On va quand même laisser juste en lien dans la bio l'émission de Simon. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et surtout me laisser un maximum de commentaires. Des commentaires de pouces bleus. Voilà, de pouces bleus. Ah, je suis mort, pouces bleus, on dirait que je suis youtubeur maintenant. D'abonnement. Ça me fume. Voilà, activez la cloche. La cloche. Mettez la cloche, s'il vous plaît. Et tutti quanti, vas-y. Non mais mec, à un moment donné, je sais pas, fait ça toute ta vie ou quoi? Ça fait 30 ans que j'ai pas joué là. Ouais. Allez, vas-y, amicale, amoureuse, mentale, famille ou santé physique? Famille. Ton père a révélé avoir été absent dans ton enfance. Mmh. Vous semblez très proche aujourd'hui. Mmh. Comment avez-vous développé ce lien avec l'âge adulte, tu vois? As-tu encore des rancœurs? Ouais, j'ai plus aucune rancœur. À 24 ans, t'as plus de rancœur pour ton père. Enfin, du moins, tu tentes de faire abstraction du passé. Voilà. Maintenant, ouais, mon papa, moi, il a divorcé de maman quand j'avais 9 mois. Parce qu'à l'époque, du coup, il est en pleine ascension pro avec le loft et tout. Donc il quitte ma mère et il se met avec Flavie, donc la mère d'Enzo, mon petit frère. Et c'est vrai qu'en fait, il a beaucoup dit qu'il a été absent. Il n'a pas été absent. En fait, il a juste été très peu présent. Mais il était là pour ma mère. À l'époque, bah, il payait de la pension. Et voilà. Juste, je le voyais très peu. Et en fait, c'est pas en fait la... Comment expliquer avec les bons mots? C'est pas une absence physique. C'est une absence morale. Mmh. Parce que bah, il nous prenait une fois par mois, en vacances une fois par semaine, machin. Mais je pense que vu qu'il était au mais okay, en fait, il était dans une tourmente tellement énorme. Enfin, faut se rendre compte que mon père, en 2006-2007, c'était une superstar. C'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs, j'avais 7-8 ans, on allait genre à Disney, c'était des émeutes. À l'époque, mon père, c'était TF1 Secret, enfin, il faisait tout marcher, ce qu'il faisait, c'était des millions énorme. De personnes à l'époque. Donc et en fait moi du coup j'étais avec j'étais avec mon frère Julien et mon petit frère qui est né après Enzo et nous on avait genre une nounou mais il y avait pas mon père tu vois j'ai fait peu de moments seul à seul avec mon père jusqu'à mes 16 ans et c'est ça que tu vois qui m'a manqué j'ai manqué de pas je le voyais non, mais de tu présence. Vois on partait c'est des trucs que j'ai pas dit je veux te dire on partait au ski par exemple enfin c'est un truc qui me marque tu vois. Mon père prenait un jet privé, on partait à Courchevel. Mmh. J'avais 7 ans, mais il y avait 20 personnes. Des gens que maintenant, donc des potes à mon père, que j'ai plus jamais vu de ma vie. Et en fait, on était, mon frère et moi, et lui était avec ses potes, on était en ski, en famille normalement, tu pars en ski, tu pars avec, il était avec ses potes tout le temps, avec la fête, les machins, donc c'est plus une absence morale. Mmh, ouais. Mais après, je peux comprendre, tu vois, t'as envie de kiffer. T'es avec tes potes. Tu le comprends maintenant. Avec je le comprends, mais bon, après, je le comprends. J'espère ne pas faire pareil si demain j'ai son succès et que j'ai ma femme et genre mes gosses, tu vois. Je sais ce que. Après, je dis ça, mais bon, peut-être que. Enfin, je sais pas, finalement, tu vois. Donc oui, c'est ça que je ne l'en veux pas non plus, que c'est pas un drame. Juste que. Moi, tu vois, j'aurais préféré, tu vois, faire des trucs beaucoup plus simples qui viennent me voir jouer. À l'époque, je jouais genre au basket, au tennis, tu vois. Je voulais plus qu'ils viennent me voir jouer, tu vois, qu'on parte en jet ou genre aux Maldives avec un première classe, tu vois. C'est juste ça. Donc oui, je ne l'en veux pas. De toute façon, je peux pas lui en vouloir. Mais après, à 16 ans, du coup, moi, je suis viré de mon lycée. Ma mère en a marre de moi. J'étais vraiment un diable.
Et donc mon père, entre-temps, il part à LA, il est exilé parce que du coup, en France, ça n'a plus. Donc il revient en France avec Aurore, il reprend une vie normale à Paris avec un appartement. Et ma mère lui dit, écoute, prends ton fils, moi je ne peux plus le voir, là il fait vraiment de la merde. Moi, je suis, voilà, donc il me récupère chez lui, un peu de force. Mm-hmm. Mais finalement, tu vois, c'était top. J'étais chez lui avec Aurore, dans un cadre beaucoup plus de famille et tout, avec moins d'oseille, mais au moins j'avais mon père le soir. Ouais. Et j'étais très content, tu vois, c'était très bien. Et maintenant, vos rapports, ils sont... Et maintenant, nos rapports, ils sont très bien. Et on se voit de temps en temps, on s'appelle, et nos rapports ils sont bien parce que tu vois, je fais mon truc, je lui demande pas d'oseille, donc très bien quoi, tout va bien. On se voit, on passe des bons moments, merci, au revoir. Voilà. Mais c'est beau, c'est bien voilà. Évolué. Voilà. Ah, oh, purée. C'est bon. Bon, ben voilà. Voilà. Tu as révélé avoir été addict au jeu d'argent. Mm. Quelle est la plus grosse somme que tu as gagnée et la plus grosse somme que tu as perdue? La plus grosse somme, j'ai gagné, je m'en rappelle très bien, c'était quelques temps avant de venir vous rejoindre à Je m'en rappelle Ibiza. Aussi. J'ai pris 100 000 dollars au casino en ligne en mai 2022 en mettant 500 balles. À l'époque, à ce moment-là, c'est très compliqué. C'est énorme. Ouais, à ce moment-là, c'est en plus, je suis très jeune. C'était il y a presque deux ans. C'était juste avant que tu arrives au reste du monde. Ouais, c'était il y a presque deux ans. Donc à l'époque, j'étais un peu dans le début de la télé. Donc il n'y avait pas beaucoup d'argent, il n'y avait pas de placement. C'était un peu la crise, hein, je ne vais pas te mentir. Heureusement qu'il y avait Adi d'ailleurs à ce moment-là. Je n'ai jamais dit, mais Adi, elle m'a beaucoup aidé financièrement. Enfin, elle était là, quoi. Pas aidée, mais elle était là. Elle a fait ses dépenses de coupe, tu vois. C'est pour ça aussi que je la respecte. Parce que c'est pas une michto, Adi. Non. Elle a d'autres défauts, mais c'est pas une michto. Mm. Et donc je joue un soir et tout. Et je mets 500, et là, tu vois, t'as le truc qui tombe jamais, tu vois, le bonus dingue. Qui tombe pas. Et je prends 100 000 en 15 minutes. C'est et donc ouf. L'explosion, ouais, ouf. Donc, ouais, à ce moment-là, c'était dingue. Après, je partais de vous voir. Mais comment j'ai perdu en un soir? Franchement, j'ai pu perdre sur un coup, j'ai perdu, je sais pas, 10 000 Oh, en un soir. Ok. Ouais, 10, 12 000 en un soir. Bon, quand tu gagnes 100 000 Ouais. Ouais, donc après j'ai eu de la chance et les jeux c'est dangereux, hein. Franchement. Ah oui, qui le dis-tu? Franchement, les jeux, ouais, je sais. Le Lord aime bien jouer le aussi. Le Lord aime bien jouer aussi, c'est pour ça qu'on est si proches. Non, le jeu, en fait, le problème c'est que c'est la pire de. Ouais, tu vois, moi j'ai essayé pas mal de dans ma vie, faut pas le faire, mais j'ai essayé, je suis pas addict à. Tu vois, les trucs, ça me plaît pas vraiment. Mais le jeu, en fait, c'est quelque chose, c'est une spirale, en fait, ça t'apporte tellement en fait d'adrénaline, t'es tellement dopé à ça en fait que tu cherches limite la peur de perdre en fait c'est ce que j'ai compris, le vrai joueur il s'en fout de gagner, il veut avoir ce frisson, mm-hmm. Il veut tu vois dire est-ce que je vais gagner ou pas, ouais. Et moi c'est ça que je kiffe en fait, c'est me dire tu vois. Et tu joues encore maintenant? Je joue beaucoup maintenant que tu vois, genre je gagne un peu plus d'argent qu'à l'époque, mm-hmm. Pour pas dire beaucoup. Donc en fait, je sais que en fait, je paye mes frais, je paye mes trucs machin, et ouais, je me garde toujours un peu d'oseille pour jouer. Mais je crame encore trop, je trouve, dans le jeu. Je pourrais faire autre chose, tu vois. C'est le jeu, je n'en sors jamais vraiment. Comme mon père, il est un joueur. C'est une des, enfin, c'est pas pour ça qu'il y a tout, parce que bon, c'est autre chose. Mais mon père a beaucoup beaucoup joué. Mon père, moi, il m'a mis, je sais pas bien de dire ça, mais mon père à 18 ans, il m'avait fait ma carte au cercle de jeu de Clichy-Montmartre. Moi, ah ouais. J'ai passé mon bac. C'est très grave ce que je vais dire, mais bon, c'est pas grave, j'ai eu mon bac et j'ai réussi ma vie, entre guillemets, pour l'instant. Moi, je faisais les tournois de poker à Clichy-Montmartre, j'avais 18 ans. Mais non. Jusqu'à 2h du matin, je rentrais, mais je joue bien au poker, ouais, tu ouais. vois. Et je rentrais avec les sous, je donnais ça genre à mon père, de dire, bah, pas pour le truc, je m'as payé le truc. Et là, je rentrais à 2h du matin. Et je passais mon bac en même temps. Ah, moi, le jeu, depuis que j'ai très très jeune, j'ai commencé. Mais c'est moi, le docteur, il joue pas du tout. Moi, mais je peux pas jouer l'argent. Non, mais c'est une femme. J'ai jamais vu de femme addict à l'argent. Non, il y en a. Ouais, mais j'en ai jamais vu, moi. Il y en a qui jouent au poker et tout. Moi, ouais. Je peux pas. Moi, je vais te mettre des sous. Je dis, ah, purée, je ouais. pourrais m'acheter une paire de chaussures, ouais. un sac, payer la crèche de mon fils. Tu ouais. vois, je veux dire. Parce que, oui, normal. Ça, encore plus que ça. Maman, ouais. tu vois. Mais sinon, payer des nouveaux nichons, hein, non. Ouais, non, mais moi, c'est un kiff. Tu vois, t'en as d'autres qui mettent ça dans la. Ouais, c'est vrai. D'un côté, je trouve que c'est quand même mieux les jeux que la drogue. Alors, même si ça se alors ressemble, c'est hein. mieux parce que ça attaque pas la santé physique, mais c'est pour moi c'est pareil. Moi, mmh. je mets une addiction par exemple genre à la au même stade que les argent. Mmh. Parce qu'en fait, ça peut te ronger. Tue, ouais. Moi, je suis jeune donc j'ai pas non plus vécu des trucs de fou, de machin, de l'homme de. Mais faut quand même faire gaffe parce que ça peut vraiment vraiment te ronger et ça te prévention, fait mal. Prévention. Non, vraiment, c'est un truc qui peut. On pense que comme tu, c'est pas de la clope, tu vois, mais ouais. c'est un truc.
mentalement, ça peut vraiment te mettre down et tu peux, si t'es pas fort, enfin si tu fais vraiment des grosses conneries, je sais pas, tu peux, si genre tu perds tout, tu te fais une balle. Ah ouais, non, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Combien on a des gens qui perdent, tu sais, qui mettent leur caisse, leur... Il y en a plein. Moi, je suis allé à Vegas en 2020, ouais. Tu vois les mecs, les clochards qui ont tout perdu, qui ont laissé leur vie dans le jeu, tu vois, donc en vrai, c'est pareil pour moi. Ouais. Donc tout est une question de chaque truc, c'est une question de comment tu doses ton truc. Si tu sais te doser, c'est bien. Mais le problème, c'est que le jeu, quand t'es devant, c'est mort. Allez. J'avais fait deux. Je pensais être chaud, en fait, moi, je suis nul. Dans le reste du monde, Nicolas et Julien Bert étaient un peu comme tes mentors, on va dire. Enfin, tes... Mais... Mentor, c'est pas forcément. En fait, moi, ça a été mes guides, ouais. Ouais, on va dire ça. Ouais, on va dire les guides. C'est quoi tes relations avec eux aujourd'hui? Est-ce que tu es encore en contact, par exemple, avec Nico et Julien Bert? Julien Bert, plus du tout, depuis le drame avec Ilona. Tu as pris parti, toi, sur ça? Alors, en fait, je t'explique, j'ai pas pris parti. J'ai mis un commentaire sur un post en disant qu'il fallait pas parler trop vite, qu'il fallait laisser faire la justice, qu'on ne pouvait pas condamner quelqu'un comme ça, pour essayer d'apaiser les choses, un peu neutre. Je me suis fait lyncher, nous en parlons la vidéo d'Iona. J'ai vu la vidéo d'Iona, et c'est vrai que elle est tellement bien faite, en fait, tu ne peux que te dire, putain, c'est chaud quand même, tu vois. Donc, je suis revenu sur mes propos, j'ai fait une story en disant, pardon pour mes propos, j'avais pas vu la vidéo. J'ai un peu fait la fiotte, c'est vrai. Mais en même temps, quand j'ai vu la vidéo, c'est chaud, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont dit qui sont très graves. Je lui ai écrit, Julien. Il m'a jamais répondu, il m'a bloqué. D'accord. Il m'a bloqué du jour au lendemain, depuis cette histoire-là. J'ai eu aucune nouvelle à part dans un de mes lives TikTok. Il est venu faire un coucou. Ok. Et il s'est barré. Il n'y a plus aucune nouvelle. Donc, je sais pas. Donc voilà, donc rapport zéro avec Julien. Et Nico, bah, ça reste Nico, quoi. Mm-hmm. On s'écrit de temps en temps, c'est comment il est. Nico, il est évasif. Hein. Ah oui, non, Nico. Donc Nico, ça reste Nico. Quand on se voit, on se fait des câlins. Et des bisous et on se marre, mais voilà, c'est Nico, ça restera Nico. Quand on se voit, on est très content, et quand on se voit pas, bah, on peut pas rester un mois sans se parler, on va se voir, on va être content, tu vois. C'est ça, livre pote aussi, hein. Voilà, exactement. Donc, c'est que t'as pas besoin de t'appeler non, Nico, tous les jours pour rester Nico, proche. Nico, ça restera Nico. Vas-y. Là, viens, on prend main. Là, c'est impossible, c'est... C'est impossible. Excuse-moi, c'est impossible ton truc. Bon, si, t'abuses. Moi, j'ai fait les deux. Donc, dans les 50... Lesquelles, saison 1 ou 2? Le dernier. Okay. Dans les 50, Gary et toi, vous avez été très proches. Oh, merde. Il a avoué à Vivian, dans Uncut, être tombé amoureux de toi. Non, à Adixia. Et moi, je l'ai vu en plus, le truc où il dit ouais et tout. Si c'est bon. Chaud. Écoute. Il est trop beau, etc., etc. Comment as-tu réagi en voyant ça? Et est-ce que vous vous parlez, vous ne vous parlez pas? Écoute. Alors, Gary. Gary, c'est vrai que dans les 50, enfin, moi, il m'avait écrit un petit peu avant. Ça faisait un an et demi qu'il m'écrivait sur les réseaux. Okay. Et mon Simon, et bravo, on s'est jamais vu, tu vois, machin. Moi, je répondais un peu, merci mon Gary, ce genre de truc. Donc, je savais qu'il était là. Et je savais que ça allait être drôle avec Vivian, qu'il est un peu, on a la technique. Sauf que moi, quand j'arrive, quand je sors des oubliettes et que je me retrouve avec Gary, il me tombe dans les bras comme ça, on s'était pas vu depuis 10 ans. Tu vois, oh, Simon et tout, je t'aime, machin. Moi, je me retrouve en mode, bah putain, bah, ça va Gary et tout. Ouais, bref, on devient très proche, très vite. Ouais. Moi, j'adore les homos, tu vois, donc j'ai aucun problème avec ça. Mon père est grandi avec des homos dans sa vie, donc moi, ça me pose aucun problème, sauf que je suis plus hétéro de la terre. Ouais, moi, je peux faire un câlin à un homo sans aucun problème, parce que je sais qu'il n'y a aucune bien sûr. Donc moi, je me retrouve très vite très à l'aise, ouais. Mais lui aussi. Ok. Et il commence, tu vois, à me chanter... J'aime bien le « mais lui aussi ». Et il commence à me chanter du coup du Céline Dion le soir devant tout le monde, ah ouais, d'amoureux, même. D'amitié et tout, tu vois, je sais pas si t'as vu les images. J'ai vu donc, l'extrait, ouais. Donc moi, je me retrouve un peu en mode « bah putain, faut que j'arrive à doser pour essayer de faire comprendre que c'est pas possible et tout », mais pendant je lui disais en off, tu vois, ouais. C'est Gary, voilà, moi, c'est pas possible et tout, mais... Je pense qu'il gardait un petit peu espoir sans me le dire, en me disant « Mais moi, Simon, tu es mon ami, il n'y aura pas et tout. » Mais au fond de lui, en fait, j'apprends que depuis le début, genre, il est amoureux de moi, tu vois qu'il a un coup de foudre. Donc moi, il ne l'avouait pas vraiment aux gens qui avaient ce crush-là pour moi, okay. Même si tout le monde le voyait, donc c'était vraiment secret de Péchinelle, tu vois. Mm-hmm.
Donc on était très proches et bon, c'était quand même marrant et moi je l'adore. Au fond, c'est un mec qui est super touchant, super gentil. Je pense que c'est un mec qui a vraiment appris à me connaître vraiment en profondeur. On a vraiment beaucoup parlé, tu vois. Mm-hmm. Donc moi, il m'a quand même fait du bien, tu vois, même dans les 5 ans. C'était, là, avoir un vrai soutien comme ça, même pour le jeu, c'est important parce que ça a été vraiment un vrai pilier. Moi, je l'ai beaucoup sauvé aussi pendant l'émission parce que mm-hmm. moi, j'ai pas perdu parce que je suis le GOAT. donc, on adore tes fils. Voilà. Donc c'était une très belle histoire. Et tu vois, moi, j'ai voulu, tu vois, aussi prendre le risque de pouvoir prouver en télévision qu'un homo et un hétéro peuvent être amis. Potes, bien le sûr. Problème, c'est que comme il a pas réussi, tu vois, à garder ce truc-là, parce qu'il y en a eu, il y a eu un peu plus, tu vois. Le problème, c'est qu'on s'est fait, il s'est fait bien démonter, donc malheureusement, c'est les mentalités qui avancent pas trop, tu vois. Malheureusement. Certaines mentalités qui bloquent. Qui bloquent, donc voilà, c'est dommage. Alors, on va passer à l'ordonnance. Ok, l'ordo. En gros, je t'explique. Là, il y a 3 filtres. Tu vas pouvoir choisir l'un des 3. Okay. Alors, le premier, c'est le filtre d'amour, entre guillemets. C'est le filtre rose. Tu peux faire tomber in love n'importe qui. Ok. Le deuxième, c'est le filtre bleu. C'est tu peux renouer avec une personne du passé avec qui tu ne parles plus et qui te manque. Et le 3, c'est en gros, tu peux faire tomber n'importe qui dans l'oubli de la scène médiatique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si, en prenant ce filtre, tu me dis qui c'est que tu veux faire tomber dans l'oubli de la scène médiatique. Ah. N'importe qui. Et on a eu beaucoup de réponses sur ce type de... Pour moi ? Non, pas toi. Mais non, pas toi. Non, ils ne sont pas les mains mortes, quoi, des présentateurs. Donc là, je peux tomber amoureux qui je veux. Bah ça, c'est déjà ça. Dans ma vie, j'arrive déjà, donc ça, je m'en fous. D'accord. Pas de problème. T'as pas besoin de fil pour faire tomber amoureux ? Non. Ouais, d'accord, ok. Ça, c'est... Tu m'as dit oublier quelqu'un ? Ça, tu peux renouer avec quelqu'un. Avec quelqu'un de ton passé que tu ne parles plus. Et donc le vert, tu peux faire tomber dans l'oubli n'importe qui de la scène médiatique. Non, je prends le vert parce que moi j'ai pas de regret, enfin j'ai pas vraiment de problème avec des gens dans mon passé. Ouais. J'arrive à faire tomber dans l'oubli Grégory Yéga, Bébéo. Ah ouais. Ouais. Vous êtes en guerre ? On n'est pas en guerre, mais en fait je trouve cette personne, je vais te dire quelque chose, moi je suis très pote avec Alex. Ouais. Oui, Goody. Goody. On l'embrasse. Ouais, je l'adore, je l'aime, j'aime mon frère. Trop. Oui, père. Oui, père. En fait. Vous devez venir ce Pardon. En fait, Greg, moi, c'est un mec que j'aime bien de base. Pas un mec méchant du tout. Mais en fait, malheureusement, je pense qu'il a un vrai fond qui est en fait mauvais, très mm-hmm. jaloux. Moi, j'ai entendu des choses sur moi alors qu'on s'est jamais embrouillé réellement, tu vois, gratuitement. Bébé ou Ouais, Greg, en disant c'est un fils de. Ah machin, ouais. Avec moi et Vivian, il est très jaloux parce qu'il a pas fait les 50, saison 2. Okay. Il a très mal parlé, il parle très très mal de moi plusieurs fois. Il y a eu des trucs qui m'ont vraiment déplu alors que je lui ai jamais rien fait, tu vois. Et une fois, le pompon, c'était quoi ? C'est j'étais avec Alex en FaceTime pour son anniversaire, il était là. Et tiens, Alex très gentil, ouais, avec tout le monde. Tiens, Greg, son anniversaire et tout. J'ai dit, ah, Greg, ça va, frérot ? Je sais pas, il me boule au téléphone comme si c'était une merde. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, comme ça ? On j'aime pas trop. Et c'était comme ça. Ah, donc, j'ai hâte de le croiser. Que... J'ai hâte de le croiser. Et aussi, j'ai appris quoi maintenant aussi ? J'ai appris qu'il avait DM Cassandra. Ok. Quand j'avais refusé de faire d'apprenti avec elle en disant mais Simon c'est un malade de pas venir avec toi d'apprenti mais moi je viens avec toi. Bref, il était en dalle de télé. Okay. En fait, j'aime pas ça. Mec, ça va, t'as bien réussi tes trucs, tu fais tes mannequins, t'es chanteur, t'es rappeur. Mm. Ça va, t'as réussi ta vie, pourquoi t'as besoin, tu vois, de pas mal des gens et d'être autant jaloux ? En fait, c'est un mec qui est très jaloux, qui a beaucoup d'ego, mal placé. Voilà ce que je pense. Et je pense vraiment que j'ai raison. Voilà. D'accord. Parce que je suis pas comme ça, je suis pas dur là pour rien. Donc si je le dis, c'est que j'ai vraiment des vraies raisons. Je suis très déçu de lui. Ok. Voilà. D'accord. Ah ben écoute, là tu me... Je te scotche. Ouais. Ouais. Bah ouais, parce que moi bébé, ouais, c'est mon poteau, et j'entends bien, et j'ai jamais eu cet écho de toi, parce que... tu vois, de lui, donc bah, je suis restée. Moi je te dis ce que moi j'ai entendu, et entier, c'est ouais. par rapport à ce que j'ai entendu, et ce que j'ai vu aussi, et ce que tu vois, ce qu'on m'a dit. Je suis très déçu de lui, parce que c'est un mec de base avec qui j'entendais quand même assez bien, mais en fait c'est quelqu'un... Enfin, ce sera plus jamais mon pote, tu vois, trop de trucs comme ça, déjà, t'écris genre à la meuf, alors que, enfin bref. Mais en plus, il a supprimé, genre jamais ça, bref, c'est un bouffon. Franchement, c'est un bouffon. C'est pas méchant, mais c'est un bolos, en fait. Ok. Voilà. Ok. Donc, il aurait dû rester en train de faire sa danse à Marseille, là, sur le vieux port, quand il vient de nous faire chier, là, en télé. Ok. Ouais. C'est vraiment ce que je pense. Ah, ouais, le docteur est super mal à l'aise, le docteur ne sait plus quoi parler, il ne sait plus quoi dire. Il aurait dû rester à Marseille, il aurait dû rester là-bas, là, en train de danser jusqu'à Oulab, là. Voilà, c'est tout. Ah, je te jure. Non, mais vraiment, parce que je suis vraiment très déçu. J'ai hâte de le croiser, j'ai hâte de lui dire en face. Hein, parce que je veux lui dire en face. Hein. Ah oui, mais tant que je te connais, tu veux lui dire en face.
J'aimerais pas être là, vraiment. C'était le mot de la fin. Et voilà, et ben, voilà. Je crois qu'on a tout dit. Hein. Je crois qu'on a tout dit. Merci docteur. Merci à vous. Ben, merci d'être venu. Ben, avec plaisir. On n'oublie pas d'aller supporter Simon, surtout pour son émission, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre des pouces bleus, des commentaires, bleus, des cloches, du partage, des cloches et tout ce qui va avec. Et on y va. Et on y va. Et pareil pour le Lolo Baby Show. On vous embrasse très fort. Mouah.